doesn't seem so crazy right now. Qu'est-ce que tu racontes? T'as de l'eau sur toi, reste cool, reste cool. On va pas commencer à dire des trucs dégueulasses. Ah, bienvenue, bienvenue. Il fait encore nuit, ce qui est embêtant. Il fait encore nuit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le truc, c'est que j'ai envie d'attendre qu'il fasse jour pour voir si on peut faire du feu avec la loupe. Alors, bienvenue dans notre épisode. Nous sommes toujours en enfer dans la vallée de la rivière Calme. La dernière fois, nous avions découvert donc le Polaroid. Très très bon. Je vais le montrer. Qui est là, photo instantanée. Vue de la vallée de la rivière Calme. Donc, c'est ici. C'est ici. Je suis en train de me dire la vue de la vallée. Genre là, on voyait quoi? Genre là, on voyait la on voyait la maison. Ça, c'est notre maison à Milton. Donc oui, l'emplacement de la photo, en fait, c'est d'où elle est prise, la photo. Évidemment, évidemment, c'est logique. Donc là, on voit tous les arbres et les... Enfin, on voit une montagne. Ah, on voit les... On voit des chutes d'eau. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, j'avais pas analysé ça. J'avais pas analysé la photo. Parce que si on regarde la photo de Milton, on voit donc notre maison, elle est là. Et ça, c'est la ville de Milton. Donc on voit l'angle, on voit d'où ça vient. Après, si on va sur Milton, on voit d'où ça vient. Donc ça venait de là, hein, d'ici, cet endroit-là. Donc on avait une vue comme ça, en fait. Ok? Très simple. Cette fois... On a une autre vue, et ce qu'on peut voir honnêtement, bon, des montagnes et des arbres, hein, y en a partout, c'est très compliqué. Mais on voit là deux chutes d'eau. Donc ça c'est un indice. Après je vois rien d'autre. Hein. Là on dirait de la fumée, non c'est pas de la fumée, c'est juste la saleté de la photo. Ouais, je vois juste ces chutes d'eau. Donc du coup, c'est là. Donc ces chutes d'eau... Elle pourrait être là, peut-être. Parce que là, il y a la rivière. Donc, on les a peut-être pas dessinées. Ou alors, les chutes d'eau, c'est ça. Parce qu'en fait, cet endroit qui est montré sur la photo, mais pas inconnu. Et puis, en plus, là, il y a il y a des montagnes. Ah. C'est peut-être une vue comme ça, donc ça nous permettrait d'être un peu plus simple pour opérer. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, nous, on va escalader cette corde et on va essayer de faire comme ça, faire ce chemin comme ça. On va voir un peu ce que ça va nous donner. Je sais pas si ça a vraiment marché, mais bon, on verra ça. En tout cas, il fait pas assez jour pour lire. J'ai rien dit, il fait assez jour pour lire. Très bien. Est-ce qu'on a un temps pourri ou on a un temps pourri? On a un temps pourri. On va encore attendre. On va encore attendre un tout petit peu. On a mangé toute la viande déjà? Waouh, ça va vite. On va attendre encore un tout petit peu. Je voudrais faire cuire ça, mais bon, est-ce qu'on utilise encore une allumette ou pas? C'est un peu embêtant à chaque fois d'utiliser des allumettes. Genre pour deux morceaux de viande, à la limite, j'ai envie de les garder de côté et on fera un feu plus tard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est pas parce qu'on est dans la grotte, hein. C'est parce qu'on peut pas. Non, on peut pas, ok. Il a pas l'air de faire mauvais. Alors, on va voir ce qu'on prend sur nous. Alors, parce qu'il faut qu'on soit en dessous des 40. Donc, on a ça. On va faire... Ok, des morceaux de bois. 6, très bien. De l'eau. De l'eau, on va prendre 1 litre. Donc, on va prendre les morceaux de lapin. Ça fait combien? 1 kilo. 1 kilo.
Arrêtez de faire ça, il n'y a pas de feu, vous êtes con ou quoi les morceaux de viande. Ah ouais. Le faitout, est-ce qu'on le prend? Le faitout, on va le prendre aussi. Non mais je crois qu'on va laisser les choses là d'abord. On va laisser les choses là. Et quand on rentrera chez nous, on repassera ici et on récupérera tout le bordel. Voilà. Sauf la viande. La viande, on va la prendre avec nous. Bon, il fait toujours pas assez... Ok. Donc on va dormir une heure. Pour être en forme, et après on prend la corde. Sauf s'il fait, fait bien jour et qu'on peut faire du feu avec de la loupe, on fait la loupe d'abord. Ok. Ok. Juste pour vérifier que c'est pas parce qu'on est en intérieur. Ok, c'est bon. On est parti. Alors par contre le problème de se balader avec du lapin cru, à la limite j'ai envie de dire, on peut peut-être le laisser le lapin. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça va attirer beaucoup de bestioles en fait. Donc à la limite j'ai envie de le laisser. Allez, on y va. On va se débrouiller avec les massettes et si jamais on doit faire à manger, si on doit manger, on ira chasser. Voilà, tout simplement. On ira chasser. Donc elle est pas mal cette petite grotte. Comme j'ai dit, on reviendra ici, on récupérera genre la scie et tout le bordel. Et on rentrera à la maison. Parce que de toute façon dans cette zone, on n'y retournera jamais, elle sert à rien cette zone. Elle sert vraiment à rien. Ok, c'est parti. Elle sert strictement à rien pour nous, parce que bon, c'est juste, comme j'ai dit, hein, c'est de l'exploration, on n'a vraiment pas besoin. Il y a juste un loup là, tu te fous de moi. On n'a vraiment pas besoin d'y aller. Pour moi, il est là le loup, mais je suis pas sûr. Bon, ok, allez, on avance. Donc maintenant, on veut coller ce côté-là et passer par là. Arrête de claquer des dents. Ok, il est à droite. Il y en a deux même. Il y en a deux. Il y en a deux. J'entends des corbeaux là-bas. Ok. Ok, il y a un cerf. Est-ce que c'est une grotte? Yes, c'est une grotte. Très bien. Oups, pardon. Oh, ça c'est une grotte d'intérieur, ça. Alors, fais voir un peu.
Ok. On a 1,3 kg, c'est pas énorme. Là, on a encore des loups. Ok. Ok, donc ça, c'est une grotte de glace. On va un tout petit peu avancer, mais on va reculer. Hein. On va pas aller dedans. Oh. Est-ce qu'on l'a déjà vu, lui, ou pas? Non. Chaussettes d'escalade usées, pointe de flèche, bonbonne de peinture. Waouh! Il y a eu un petit bug, les chaussettes elles s'étaient invisibles. Ok, on va déjà aller peindre l'entrée de la grotte. Oui, non, ça sert à rien de... de le faire. Ok. Alors on a peut-être trouvé un endroit pour monter. Parce que on a vu que ça montait en fait. Donc j'ai envie de dire peut-être que ça marche. Alors on est où? Faudrait continuer par là. Et voir peut-être qu'on prend la grotte. Et on voit où ça nous mène. Donc on a eu quoi? Donc on a eu une nouvelle bonbonne. On a une pointe de flèche qui est là. C'est la première fois que je récupère une pointe de flèche comme ça. On a récupéré des chaussettes d'escalade. Donc c'est les meilleures qu'on peut trouver. Vraiment bon, vraiment vraiment bon. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire let's go pour la grotte. J'ai envie de dire let's go pour la grotte, mais... Alors, chaussettes d'escalade, on va les réparer. Parfait. Parfait. Alors là, c'est vraiment bien. Alors, j'ai pas envie de mettre le cache-oreille parce que ça va l'abîmer si on se fait attaquer. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait pas faire pareil avec les chaussettes? Mais je suis pas sûr. Je suis pas très sûr. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Je pense que les chaussettes, elles risquent rien. Par les attaques. Par les attaques. Donc maintenant on a dessiné. Alors vu que c'est la nuit, la journée, on n'a peut-être pas trop besoin de lumière. Alors on va voir déjà s'il fait assez beau pour faire encore du feu comme j'ai dit avec la loupe. Comme ça on fait cuire le cerf. Je crois pas, hein, je crois pas du tout. Ouais non. Ah, il fait pas froid. Oh, ta mère.
Ok, très bien. Ok, là c'est un bon endroit en fait pour les faire venir. On a la grotte. On a la grotte. On va faire du feu, hein. On va faire du feu, on va faire cuire le loup. On a assez de feu ou pas? Ouais, ça va. On a du cèdre. C'est quoi ça? C'est un cerf. Qu'est-ce que je vois? Là, on a du... Ok, ça a l'air d'être ok pour descendre. Ok, on est bon, on est bon. On a un cerf à droite. On a encore un cadavre là. Ça. Ouais, très bien. C'est quoi là-bas? C'est un cerf encore? Oh, attendez. Parce que ça monte, ça descend en fait beaucoup dans cet endroit, donc j'ai pas envie de me faire attraper par une bestiole. Là, il y a encore du champi. Lapin. Des ronces. Ok, pas mal. Très bon. Ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire à côté du loup. D'entendre du bruit. On a le cerf là. Je serais pas contre en fait chasser le cerf, mais... Le problème c'est d'avoir plusieurs carcasses en fait de tous les côtés, ça c'est un peu relou, parce que il faudrait faire cuire vite. On a vraiment beaucoup de... On a beaucoup de champignons. C'est pas une grotte ça là-bas? Je sais pas. Faire attention, il y a toujours un loup qui rôde. Toujours un loup là-bas. Ah, par contre, je serais pas contre en fait faire le cerf. Non, il lui a fait peur. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On rentre. On a les ronces aussi. Les ronces c'est quoi? C'est combien de temps pour combien de bois? La broussaille. 12, 23 minutes. C'est pas mal. Alors on va faire un feu à l'extérieur, si jamais le vent se lève, on continuera, et qu'on n'a pas fini par exemple, on continuera un feu à l'intérieur.
Je voudrais bien pouvoir déplacer la carcasse, quoi. La tirer. Genre, tirer les carcasses, faudrait que ça soit quelque chose aussi. Faudrait que ça soit une mécanique de jeu. Parce que là, je voudrais bien la tirer là, juste là, juste là. Pas très loin. J'entends du bruit. On va faire du feu rapidement parce que j'entends du bruit. Genre, je demande pas beaucoup, hein. Juste la bouger un tout petit peu, la carcasse. Ouais. La tirer, prendre la patte. Ou par la queue. Ah, on tire un peu. On tire un peu vers la grotte. Ou dans la grotte. Dans la grotte, c'est pas mal aussi. Mais bon, après, j'imagine que la découper et faire des sacs de viande, là, c'est un peu ce qu'ils avaient en tête. Mais. Ouais, de pouvoir la déplacer comme ça, c'est pas vraiment bien. Par contre, ouais, non, ça va. Ça va, c'est pas trop froid. Quoi, ce bruit? C'est la grotte qui fait ce bruit-là? Je crois que c'est la grotte. Ça va, ça va, ça va. Douze minutes. Non, on est bien, on est nickel, on est tranquille. On est vraiment tranquille. Il y a le vent qui se lève. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu à l'intérieur? Ouais, on va faire un feu à l'intérieur, je crois. Enfin, quoique, on a bientôt fini. J'ai pas envie de faire un feu. Gibier cru. Ou cru. Non, mais ça a l'air d'être bon. Ouais, non, ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la fourrure ou pas? Je pense pas que ça soit utile, comme j'ai dit. Voilà, très bien. Là, on est à bloc, c'est cool. Ça fait plaisir. On a beaucoup d'eau? 2 litres encore. 17, 32, ok. Pourquoi on est aussi lourd? Parce qu'elle arrête pas de se plaindre, ça commence à m'énerver. Parce qu'on a du bois, et elle est fatiguée surtout. Elle commence à être fatiguée. Ça, c'est à cause du... de la montée. Ok, très bien. Donc j'ai envie d'aller explorer la grotte. J'ai bien envie d'aller explorer la grotte. Donc nous on est là. Donc nous on est là. On a vu qu'il y avait un chemin et tout ça là. Donc là peut-être qu'on peut encore monter. Mais j'ai envie d'aller quand même voir la grotte. Voir où ça mène. Que ça peut être intéressant. Par contre, je sais pas si on va pouvoir durer 40 minutes. Hein.
On va peut-être prendre ce morceau là, le morceau qui reste, celui-là là. Et celui-là on va le laisser je crois. Ouais je crois qu'on va faire ça. Et on va aller dans la grotte avec une torche. Ah, très bien. Voilà, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On n'a rien laissé hein, de toute façon. Donc nous on vient de là. Alors là c'était où c'est qu'il y avait le mec. On va d'abord aller voir là-bas. On entend de l'eau. Oh! Aller là? Oh, c'est pas la grotte où on avait vu là? On voyait de l'eau? J'ai honnêtement envie de toucher, mais. Voir si on peut genre patauger dedans ou alors c'est sans fond. Ça, ça m'embête, ça, je voudrais bien savoir. Je voudrais vraiment bien savoir. Bon, un truc qu'on va faire. Alors déjà, c'est allumer notre torche. Fini. Ok. Ah, autant l'utiliser, hein, le système, parce que on va prendre ça. Ok, donc ça c'est cul-de-sac. C'est pas du tout cul-de-sac. Il y a un livre, on le laisse si c'est cul-de-sac. Donc pas la peine de marquer, ça fait toujours ligne droite. En fait on va marquer où on va. Pour voir si on retombe sur nos pas ou pas. Ce bruit. Alors. C'est cul-de-sac ou pas? Ok, donc non, c'est pas cul-de-sac. Donc nous, on vient de là. On vient d'ici. Si ça continue aussi. Et là, c'est cul-de-sac. Ok, donc... Donc... On va aller à gauche. On va aller à gauche. Non, c'est là. C'est la torche qui fait ce bruit là, quoi. Et pour revenir sur nos pas, on n'a qu'à suivre les flèches dans le sens inverse. Tout simplement. Là, c'est cul-de-sac, donc pas besoin de le noter. On va comme ça, ligne droite. Je suis pas spécialement d'indication.
Ah, on devrait noter là aussi tout droit. Je suis pas vraiment d'indication précise, je suis juste dans... Je vais où il y a des objets. Enfin, où on peut trouver des choses. 60%. Ouais. Ok, cul-de-sac. Donc on va noter du coup. On va changer de torche aussi. C'est bien qu'on ait trouvé une 60%, c'est vraiment cool. Ok. Ah là là. Ah mais c'est un cul-de-sac, on s'en fout. Enfin c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ok. Donc là j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Genre là si on continue de ce côté là, je dirais qu'on retourne sur nos pas. Yes, ok, ok. On a la flèche. Très bien. Donc là, on fait attention qu'il n'y ait pas quelque chose à l'intérieur. Ok, une corde. On était déjà venu ici ou pas? Ça ressemble un peu à la grotte où il y avait le loup. Est-ce qu'il y a un passage là ou c'est juste de la décoration? Donc on a une corde ici. Du coup on peut pas la prendre. Alors on va dormir là. Alors on va dormir là. Je crois, parce qu'elle est fatiguée, donc on va dormir. Est-ce qu'on peut se faire attaquer pendant qu'on dort ici? J'ai un peu peur. Parce qu'en théorie, on est en territoire hostile. Par contre, il va falloir qu'on pose des objets. De toute façon, après, on va manger et boire quand on se réveillera. Donc, ça ira. What? Non. J'ai laissé mon sac de couchage dans la grotte. J'ai laissé mon sac de couchage dans la grotte. Ah ça c'est pas mal hein. Ah ça c'est pas mal hein, là. Comment ça j'ai laissé mon sac de couchage dans la What? Oh non, va falloir retourner. Oh, la torche est pas grave si elle s'éteint. Et en plus elle est fatiguée. Ah, ça y est, commence à faire nuit là. Oh la vache. Genre les murs c'est noir, qu'est-ce qui se passe? Genre dans la grotte en bas quoi, sur la rivière, c'est ça?
Ouais, non, c'est ça. Donc du coup, il va falloir reprendre la corde si j'arrive pas à descendre. Et le problème, c'est qu'elle est fatiguée. Ça va être drôle. Encore eux, c'est pas très loin. Encore une notion, je m'en suis aperçu maintenant. Oh mon dieu. Ça, il fait encore vraiment jour à l'extérieur. On a vraiment de la chance. Ah non. Bah c'est pas loin, c'est pas grave. Bon, à la limite, maintenant j'ai même plus envie d'aller explorer la grotte, honnêtement. J'ai juste envie d'aller le voir là-bas. Ouais, j'ai pas envie d'explorer. j'ai pas envie de me retaper le chemin. Donc on va juste aller là-bas après. Bon, est-ce qu'on pourrait descendre sans la corde? Ça m'étonnerait, honnêtement. À moins de me couper, me casser les quatre jambes, mais... Eh oui, j'en ai quatre. Ouais, non. Non, non, non. Let's go. Tu veux pas descendre plus vite, tu me stresses. Mais bon, risque d'entorse, ok. On a eu le risque d'entorse juste à la fin. Donc elle est à 35, ouais, c'est bon. Eh ben, tout ça pour ça, c'est bien. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Faire avec la loupe. Oui, mais j'ai pas de petits morceaux de bois. Lol. J'aime pas dire lol, désolé. Et on peut plus maintenant. Oh là, mon dieu. T'es sérieux? La loupe, elle marchait. Elle marchait il y a 3 secondes, la loupe. Ouais, non, là c'est mort, il fait nuit en fait. Bon bah, hein. Comme ça, c'est pas grave. On va finir par la manger crue, cette viande. Bon, on a de l'eau. C'est pour ça que j'ai jeté l'eau au passage, hein. C'est parce qu'on avait de l'eau en bas. Bon, je pense qu'on va dormir. Et on va monter après. On va directement partir, même pendant la nuit. C'est pas grave. Je crois pas que ce soit très très grave. Mais cette fois, on prend le sac. À moins qu'il fasse vraiment mauvais temps. On va voir s'il fait froid.
Évidemment, il fait froid, froid. Il fait bientôt jour, par contre. Donc on peut peut-être passer le temps. Je crois qu'on avait récupéré pas mal de choses. Très bien. Bon bah, encore heureux qu'il y a des grottes partout. Alors la zone n'est pas trop difficile en fait. Je comprends pourquoi elle est difficile, mais c'est pas vraiment à cause du temps et tout ça. C'est parce que c'est quand même dangereux. Et on peut être bloqué en fait très facilement dans la zone. C'est à cause de ça. Par contre, il y a quand même des grottes un peu partout, donc ça passe. Il fait encore plus froid quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on survit ici. Honnêtement, je vais être honnête, j'ai envie de me casser de cette zone. Elle me tape sur le système. Elle me tape vraiment sur le système. Mais bon, là, on est en aventure, on est en mode mission. Il faut qu'on aille trouver l'endroit pour faire la pellicule. Mais je dois dire que j'apprécie pas vraiment cette zone. Bon, on va dormir et on va partir. Assez fatigué. Ok, on est à combien? 37. Très bien. Mais bon. Un peu froid, mais bon, hein, va falloir avancer quand même. Donc comme j'ai dit, on va essayer d'aller vers la montagne plutôt que la grotte. Si vraiment après il n'y a rien vers la montagne, on ira vers la grotte. On ira dans la grotte. Mais ouais, j'ai pas envie de me taper la grotte, honnêtement, c'est pas fun. C'est juste pas fun, voilà. Pour moi, je trouve vraiment que c'est pas fun d'aller dans ces galeries-là. Alors après, maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus simple avec le marquage, avec les bombes. Mais à chaque fois, il y a des cordes, donc il faut tout le temps dormir, il faut être en dessous des 40 kilos, etc. C'est un peu relou. Ça tape un peu sur le système de faire tout le temps ça. Après, c'est pas excessivement difficile non plus à faire, hein, mais c'est chiant. Kilos. C'est quand même beaucoup, 43 kilos. On va peut-être pas passer par là exactement parce qu'il y avait le loup. Peut-être passer par ce côté-là. On a trop de bois sur nous, je voudrais bien aussi être en dessous des 40 kilos quand même. Donc je vais aller voir là-bas en premier. Et puis après, je sais pas. Alors on a le cerf qui devrait toujours être là. Ah, on a déjà un risque d'hypothermie, j'avais pas fait attention. Si jamais il y a le cerf, je dirais... Ah, il y a une corde, il y a une corde, il y a une corde. Va falloir qu'on campe à la corde. J'ai envie de dire, on chasse le cerf vers la corde. Ok, il y a personne. Mmh.
7 encore. À un endroit, on avait vu un ours. Et on ne le retrouve plus, l'ours. Bon, on n'est peut-être pas à l'endroit du tout, en fait. Pas au même endroit. Donc il faudrait prendre cette corde, je crois. Je crois qu'on va devoir prendre cette corde. Il y a un corbeau là-haut. Je voudrais voir s'il n'y a pas un endroit pour se reposer. Il faudrait une grotte. C'est pas une grotte ça? Yes! Oh yes! Yes, yes, yes. Parfait. Cool, vraiment cool. Ok. Ok, parfait, parfait, parfait. Honnêtement, parfait, parce que là, on est vraiment proche de la corde. Donc la corde, elle est là. On a eu nos lapins. Ah oui, non, là, c'est vraiment bien que ce soit là. Bon, par contre, le fait qu'il y ait un cadavre ici, ça m'inspire pas confiance. J'ai envie de dire, ça m'inspire pas des masses confiance, le fait qu'il y ait un cadavre dans cette grotte-là, mais bon. Hein ? On peut pas tout avoir non plus. Hein. On va devoir manger, peut-être faire cuire le lapin et tout ça. Ouais, on va les mettre là. On va refaire un peu pareil que la dernière fois. Ok, vu qu'on est réchauffé, on va aller noter la corde sur la carte. Par contre, j'ai bien envie de faire ça. Non, stockage. Non, matériaux. Comment on change? Changer de forme. Voilà. Fait jour en plus. Ah, on peut peut-être faire du feu. Alors un truc qui serait bien là, ce serait maintenant de trouver le... Je sais pas si c'est... Je peux passer par là. Maintenant de trouver le cerf. Ça, on récupère sa viande. Très bien. On a combien de bois? 19. Et on a les trucs de sapin. Je sais pas pourquoi le cerf est plus là. Il a dû partir. Ah, peut-être qu'il s'est fait attaquer par le loup, hein, parce qu'il y avait quand même un loup hein, qui traînait.
Donc bon, peut-être qu'il s'est fait... Ouais. Ça me fait... J'ai l'impression qu'il y a un ours qui drôde, je sais pas pourquoi. Puis tout à l'heure, j'arrête pas de penser à un ours, mais on n'a rien vu, donc... Je vois pas pourquoi il y aura un ours, mais... Tu sais, il y a la grotte, là... Il y a un cadavre... Je crois que c'est en fait c'est le fait qu'il y a un cadavre dedans, en fait. C'est ça qui me perturbe. C'est ça qui est en train de me perturber. Je vais juste prendre plein de bois et apprendre. Y a rien, on voit rien, on n'a pas vu de prédateur. À part un loup qui rôdait au début, mais on l'a plus revu. Donc bon, mais ça va quoi, on risque rien. D'accord, on peut les casser ça je crois. Ouais, 13 minutes, 20 minutes à la main. Là, pareil. Ah, là, on pourrait faire ça aussi. Faut qu'on étudie un peu la carte aussi, voir si on se rapproche de l'endroit. Je crois qu'on s'en rapproche. Je crois qu'on s'en rapproche. Voilà, très bien. Donc, toi, Bob... Bob, tu vas nous tenir le bois. Voilà. Bon, du coup, on a plein d'allumettes, c'est cool. Tu trouves ça cool, Bob, ou pas? Moi, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt sympa. Teste toujours la loupe, hein, on sait jamais. Peut-être qu'un jour ça marchera la loupe. Alors on va faire cuire la viande. On va faire cuire la viande, on va faire de l'eau, on va faire durer un peu. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de bois. Parce que je voudrais faire une petite réserve d'eau ici aussi. Et très bien. Très bien. Ça. Ça. Ça va, il fait chaud maintenant. C'est chaud maintenant. Ce serait bien que le mec soit réanimé. Marche pas ça dans le jeu. La réanimation par le feu. Tout ça. Ok, c'est trop court. Déposer ça. Ça va? Passe une bonne journée? Ouais, je serais venu plus tôt hein, si je savais que t'étais là, mais. On n'a pas vraiment eu de message comme quoi t'étais là, donc du coup on est là que maintenant, désolé. C'est un peu embêtant, je sais. Je sais, je sais. Tu peux regarder la viande pendant que je dépose un truc, s'il te plaît. Faut pas qu'elle brûle la viande. Ok, John. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Tu veux du reishi? Ouais. On fait un peu de reishi. Ouais, je peux en faire pour deux, y a pas de problème.
Oui, je parle à un cadavre, et alors, ça vous embête? Hein? Je fais de mal à personne. Au nom potable, tu... ça va? Ouais, non, ça va, ça va. Tranquille. Tu veux un morceau de viande? Non, ok. Ah, t'es végétarien! Ah, merde. Ah, mais j'avoue, quand même, c'est un peu con de venir là en tant que végétarien, quoi. C'est... J'ai rien contre les végétariens, attention. Tu peux être végétarien, vegan, tout ce que tu veux, hein, mais... Le problème, c'est que végétarien dans la nature comme ça, tu vas pas faire long feu, quoi. C'est, ah, j'ai du champignon. Du champignon et des baies. Ça marche. Ça marche. Mais, ouais. À part ça, ouais. Champignon et des massettes. Des massettes. Tu suces sur des morceaux de bois, c'est super bon. Tu verras. 150 calories, quand même. Par massette. C'est pas mal. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je fais encore du reishi, oui. Je fais encore du reishi, t'as raison. On va encore en faire quelques-uns. On en a 3, 4, 5. On en a 5. Ça nous en fera 6, ok? Donc un pour toi, et après le reste pour moi. Bon, vu que t'es végétarien, bon, moi je mange la viande. T'es sûr que t'en veux pas? Parce que c'est quand même bon, le lapin. Tu fais ça avec une petite sauce. Des olives vertes dedans, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Après, tu sais pas ce que tu loupes, quoi. Mais bon, je peux comprendre. Voilà. Ok. Ah, je fais de l'eau. Ok, on a le thé de prêt. Ça y est, le thé est prêt. J'en passe. T'as raison. À chaque fois, faut pas que j'oublie faire ça, comme ça on les réchauffe, t'as raison. Du coup, je ramasse ça, ok. On a encore 43 minutes de feu. On va mettre un peu de bois, t'as raison. Hop. Ah, très bien. Donc, elle va être fatiguée. On peut dormir, on peut lire. On va être fatigué. On va pas être assez fatigué en fait pour la nuit. Quoique si, mais la nuit en fait est pas encore pour maintenant. Alors, inventaire, faisons un peu l'inventaire. Alors on pourrait déposer ça, parce qu'on va devoir prendre la corde. Mais c'est vrai qu'on a plus de viande, donc on n'est pas extrêmement lourd non plus. Donc c'est une bonne chose. Ouais, non, on a peut-être pas besoin de déposer des choses. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, non, ça va, c'est bien. On va lire une heure et après on va regarder la carte. Et après on va dormir. Cette nuit de bruit. Il reste combien d'heures à faire encore? 10 heures encore, la vache. Bruit dans 5 minutes. Bon, bah, regardons la carte. Alors, nous sommes là. Donc, ici, il y a une corde à prendre. Donc, je continue à penser qu'on est sur la bonne voie. Bon, j'ai pas de preuves, hein. C'est ça le problème, j'ai pas de preuves. Mais je continue à penser qu'on est sur la bonne voie. Donc, là, on va. Imaginons. Alors, je sais pas ce qu'il y a là, mais. On monte, ça a l'air très haut, ça a l'air très très haut. Et ça coïnciderait avec un peu la vue qu'on a de ça. Parce que regardez, là on voit qu'on est à la hauteur de ça en fait. On est à la hauteur des plus hautes montagnes avec les rivières qui sont en bas. Avec les arbres et tout ça. Donc pour moi ça coïnciderait. Et je pense que les chutes d'eau c'est ça là. C'est celle-là qu'on voit sur la photo. Donc on regarde par là. Et là, du coup, ça serait en hauteur, en fait, ce serait très haut. Et là, la corde, c'est une des plus grandes cordes, en fait, parce qu'il y a une pause entre les deux. Je crois que les cordes les plus grandes, c'est celle-là, par exemple. Ça, c'est une des plus grandes, parce qu'il y a comment ça s'appelle? Un coin, là, pour s'arrêter. Ah, mince. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Euh...
Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Une corniche, voilà, corniche, c'est ça que j'avais le mot dans tête. Une corniche, on a une corniche. Donc du coup, pour moi, je pense que c'est le bon... bon endroit. Voilà, on va faire ça. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on fait un peu plus de thé ou pas, ou des conneries comme ça. Je dirais que non, on en a quoi? On a 12, 5 et 7, 17. On a beaucoup, hein, on peut en faire d'autres. Mais à quoi bon? C'est ça la question, c'est à quoi bon? Après, est-ce qu'on a des choses à coudre? Bon, ça c'est vraiment bien d'avoir trouvé des chaussettes d'escalade. Chaussettes d'escalade, c'est les meilleures. C'est surtout l'étanchéité 25, et en plus elle protège aussi contre le froid, alors que les chaussettes normalement non. Voilà, les autres types non. Et bien sûr, elles font 1 degré. Et après, on a récupéré un nouveau cache-oreille. Que je refuse de mettre pour le moment, ok? Je refuse de le mettre. Parce qu'on est en territoire dangereux, j'ai pas envie que ça les déchire en une fois. Sinon, je vais encore pleurer. Donc pour l'instant, on reste comme ça. On va encore lire. Voilà, quand on s'est fatigué, on va pouvoir dormir tranquillement. La blague, on a bien le sac de couchage sur nous. Ouais, ça va. Ça serait con de pas l'avoir quand même. Bon, par contre, on n'a pas trop à manger, hein, Bob. Hein. On n'a pas trop à manger. On a juste des massettes. Donc les massettes, c'est moi qui vais les prendre. Désolé, mais... Même dans l'inventaire, j'allais dire dans l'aventure, non. Même dans l'inventaire, ça s'abîme. Ça, c'est quand même un peu abusé. Je pense que c'est mal fait, leur système de détérioration, en fait. À moins que... Non, quand on l'a réparé, c'était à 100%. Je suis quasiment sûr que c'était à 100%. Donc, je sais pas. Je trouve que leur système de détérioration est vraiment... pas très très bien travaillé, j'ai envie de dire. Voilà, on pose de l'eau. De toute façon, on récupérera de l'eau quand on partira. Bah, très bien, ça sera sûrement suffisant pour faire cuire l'eau. La limite, on va que mettre un bâton en plus. Voilà. Non, par contre, c'est sac de couchage, une place. Si t'étais une femme... Ah oui, non, mais moi, je suis une femme, déjà. Ah, mince. Oui, bon, si t'étais une femme, tu pourrais dormir avec moi, mais bon, t'es un homme, donc non. T'es un homme ou t'es une femme? J'arrive même pas à voir. T'as l'air d'être une femme. Non? Je sais pas. J'arrive pas à différencier... une femme d'un homme maintenant, c'est nouveau. Quoi d'autre? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va dormir, on va s'arrêter là. Donc comme j'ai dit, la prochaine fois on prend la corde, on monte. Ça va pas être une partie de plaisir parce que comme j'ai dit, c'est une des plus grandes cordes là parce qu'il y a une corniche. Donc ça va être un problème. Mais on va être obligé de la prendre. On va peut-être faire une pause entre les deux. De toute façon, on a toujours un café. J'aurais dû prendre deux cafés, tiens. Oh, j'aurais dû vraiment prendre deux cafés, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et on prendra la corde, on montera tout en haut et on essaiera de faire, comme j'ai dit, le tour, comme ça, là. Par là. Et une fois qu'on aura fait le Polaroid, on va essayer de descendre. Je sais pas comment on descendra, on trouvera un moyen. On retourne ici, au stockage de la grotte, là. On prend tout ce qu'il y a et on se casse d'ici, de cet endroit maudit. On fera ligne droite, comme ça, je pense. Ou alors là, par là, on repassera par là.
Et on partira. Et plus jamais on y retourne, puisque ça sert à rien cet endroit. Il sert vraiment à rien cet endroit. Mais voilà, on a notre mission. Notre mission. Donc on va dormir. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao, ciao.